Video Kinshasa. Video Kinshasa. Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à cette cérémonie solennelle. Le président de la République s'est incliné devant la dépouille avant de déposer sa couronne de fleurs. Il s'est par la suite entretenu un instant avec la veuve Niani ainsi que la famille éplorée avant de prendre place aux côtés de magistrats. Cette cérémonie a débuté par une séance solennelle en mémoire du défunt. La cour a pris acte du décès de Yanni, l'a délié de son serment et a ordonné que la dépouille du défunt soit conduite à sa dernière demeure. Et l'instant le plus pathétique, ce fut le mot des circonstances. Un des fils du juge Yanni a salué la mémoire de son père, un homme humble, digne et sage, récemment nommé par ordonnance présidentielle à titre posthume premier président de la cour d'appel et admis dans l'ordre national, héros national Kabila Lumumba avec grade de chevalier. Le juge Raphaël Yanni a été décoré séance tenante par les chanceliers des ordres nationaux. Né à Lodja le 24 décembre 1968, originaire de la province du Sankuru, secteur de Kondo Tshumbe, village de Lubundi, feu Raphaël Yanni à l'élémentaire à l'école primaire catholique des garçons de Lodja, ses études secondaires à l'Institut technique agricole et vétérinaire d'Omenjadi. Il a fait ses études universitaires à l'UNILU, au campus de Lubumbashi, où en 1997, il va décrocher son diplôme de licence en droit privé et judiciaire. Il laisse derrière lui une veuve et trois orphelins. Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.